l'importance du jeu pour nos compagnons à quatre pattes. Nos animaux de compagnie, ces fidèles compagnons, ont besoin de jouer pour être heureux et épanouis. Le jeu n'est pas seulement une source de divertissement pour eux, mais aussi un moyen de renforcer leur lien avec nous. Le jeu est essentiel à leur bien-être, tant physique que mental. Il aide à prévenir l'ennui, qui peut mener à des comportements destructeurs. Il leur permet de rester actifs et en bonne santé. Les activités physiques comme courir, sauter et grimper sont cruciales pour maintenir leur forme physique et leur agilité. Courir, sauter, explorer, autant d'activités qui entretiennent leur forme physique. Ces moments de jeu sont aussi des occasions pour eux de découvrir leur environnement et de développer leurs instincts naturels. Le jeu est également crucial pour leur développement mental. Les jeux de réflexion, comme les puzzles pour animaux, stimulent leur intelligence et leur capacité à résoudre des problèmes. Ils stimulent leur intelligence et leur curiosité. Les jeux interactifs, où ils doivent chercher des friandises ou manipuler des objets, sont particulièrement bénéfiques pour leur esprit. Un animal qui joue est un animal qui s'épanouit pleinement. Le jeu favorise également la socialisation, que ce soit avec d'autres animaux ou avec les humains. Il est donc important de proposer à nos chiens et chats des jeux adaptés à leurs besoins et à leurs envies. Chaque animal a ses préférences, et il est essentiel de les respecter pour maximiser les bienfaits du jeu. C'est la clé d'une relation harmonieuse et enrichissante avec nos amis à poil. En investissant du temps dans le jeu, nous renforçons notre lien avec eux et contribuons à leur bonheur et à leur bien-être général. Des jeux stimulants pour chiens dynamiques. Les chiens, ces boules d'énergie, ont besoin de se dépenser physiquement et mentalement. Ils sont toujours prêts à courir, sauter et jouer. Pour eux, l'exercice n'est pas seulement une question de forme physique, mais aussi de bien-être mental. Leur proposer des jeux stimulants est donc primordial. Cela les aide à canaliser leur énergie débordante et à éviter l'ennui, qui peut souvent mener à des comportements destructeurs. Les parcours d'agility sont parfaits pour les chiens dynamiques. Ces parcours offrent une variété d'exercices qui sollicitent à la fois leur corps et leur esprit. Sauts d'obstacles, slalom et autres défis sont non seulement amusants, mais aussi bénéfiques pour leur développement. Tunnels. Ces exercices développent leur coordination et leur concentration. Ils apprennent à suivre des instructions et à naviguer dans des environnements complexes. Les jeux de recherche sont également très appréciés des chiens. Ils exploitent leur instinct naturel de chasseur et leur sens aigu de l'odorat. Cacher une friandise ou un jouet et les encourager à le retrouver stimule leur odorat et leur intelligence. Cela les maintient engagés et les aide à développer leur capacité de résolution de problèmes. Les jouets à remplir, remplis de friandises, sont parfaits pour les occuper. Ils offrent une récompense tangible pour leurs efforts, ce qui les motive à continuer à jouer. Ils doivent trouver la technique pour accéder aux récompenses, ce qui les stimule mentalement. Ces jouets interactifs sont excellents pour les garder actifs et heureux, tout en renforçant leur intelligence et leur persévérance. Rex, un magnifique labrador, attend avec impatience sa séance d'agility hebdomadaire. Sa queue frétille d'excitation. Dès que son maître lui donne le signal, il s'élance sur le parcours avec une énergie débordante. Il franchit les obstacles avec aisance, sa langue pendante et un sourire canin illuminant son visage. Le voilà qui slalome entre les poteaux, négocie un tunnel avec agilité et saute par-dessus une haie sans hésitation. Chaque obstacle franchi est une petite victoire pour Rex, qui rayonne de fierté. L'agility lui permet de se dépenser physiquement, de stimuler son intelligence et de renforcer la complicité avec son maître. Des jeux stimulants pour chats curieux. Les chats, animaux mystérieux et indépendants, ont eux aussi besoin de jeux pour s'épanouir. Leur nature curieuse et joueuse doit être stimulée au quotidien. Les jouets à mâcher, sous forme de souris, de balles ou de peluches, sont parfaits pour satisfaire leurs besoins de mordiller. Les arbres à chats, avec leurs plateformes, leurs griffoirs et leurs cachettes, offrent un véritable terrain de jeu. Ils peuvent y faire leurs griffes, se percher en hauteur et observer leur environnement. Les jeux de chasse, comme les plumes au bout d'une ficelle ou les lasers, stimulent leur instinct de prédateur. Illustration.
Misty Gris, le chat captivé par son plumeau. Misty Gris, un chat tigré au regard malicieux, observe avec attention le plumeau que son humain agite devant lui. Ses pupilles se dilatent, son corps s'arc, prêt à bondir. Le plumeau frétille dans les airs, imitant les mouvements d'un oiseau. Misty Gris ne peut résister à l'appel de la chasse. Il bondit, se cambre, tente d'attraper la plume avec ses pattes agiles. Le jeu se poursuit dans toute la maison. Misty Gris, suivant le plumeau, avec une détermination sans faille. Ce petit jeu anodin est pour lui une véritable aventure qui le stimule physiquement et mentalement. Adapter les jeux à l'âge et à la condition physique. Il est important d'adapter les jeux en fonction de l'âge et de la condition physique de nos animaux. Un chiot aura besoin de jeux plus courts et moins intenses qu'un chien adulte. Un chat âgé préférera des jeux calmes et des siestes sur son arbre à chat. Il est essentiel d'observer son animal, de comprendre ses limites et de respecter ses besoins. L'objectif est de lui proposer des activités qui lui procurent du plaisir, sans le fatiguer ou le mettre en danger. N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire pour obtenir des conseils personnalisés. L'importance de la variété et de la nouveauté. La variété est essentielle pour garder nos animaux stimulés. Alterner les jeux, proposer de nouveaux jouets, explorer de nouveaux environnements lors de vos promenades. La nouveauté éveille leur curiosité et leur procure un sentiment de satisfaction. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination et à créer vos propres jeux. Un carton vide peut devenir un tunnel d'exploration pour votre chat. Une vieille chaussette peut se transformer en jouet à rapporter pour votre chien. L'important est de stimuler leur imagination et de partager des moments de complicité. Créer un environnement stimulant pour votre animal. Au-delà des jeux, créer un environnement stimulant est essentiel pour le bien-être de votre animal. Aménagez un coin douillet avec un panier confortable, des couvertures douces et des jouets à disposition. Prévoyez des griffoirs pour votre chat et des os à mâcher pour votre chien. Offrez-leur la possibilité d'observer le monde extérieur depuis une fenêtre. L'important est de créer un espace où votre animal se sent en sécurité, stimulé et aimé. Le jeu, un vecteur de complicité avec votre animal. Le jeu est bien plus qu'un simple divertissement. C'est un langage universel qui permet de créer un lien unique avec votre animal. En jouant avec lui, vous renforcez votre complicité, vous construisez une relation de confiance et vous lui offrez des moments de pur bonheur. Le jeu est également un excellent moyen d'éducation. Il permet d'apprendre à votre animal les règles de la maison de manière positive et ludique. Il renforce les liens affectifs et crée des souvenirs précieux. Investir du temps pour le bonheur de votre compagnon. Accorder du temps de jeu à votre animal est un investissement précieux pour son bonheur et son épanouissement. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. Le jeu est un langage universel qui transcende les mots. Il vous permet de communiquer avec votre animal, de le comprendre et de lui témoigner votre amour. Alors, n'hésitez plus, prenez le temps de jouer avec votre compagnon à quatre pattes et savourez ces moments privilégiés. Prendre soin de son animal, c'est aussi jouer avec lui. Le jeu n'est pas seulement une activité amusante, mais une véritable nécessité pour leur bien-être global. En conclusion, le jeu est essentiel au bien-être physique et mental de nos animaux de compagnie. Il permet de canaliser leur énergie, de prévenir l'ennui et de réduire les comportements destructeurs. Il les maintient actifs, stimule leur intelligence et renforce la complicité avec leur maître. Les jeux interactifs, comme les puzzles pour chiens ou les jouets suspendus pour chats, sont particulièrement bénéfiques. Que ce soit avec des jeux d'agility pour les chiens dynamiques ou des jouets stimulants pour les chats curieux, l'important est de proposer des activités adaptées à leurs besoins et à leurs envies. Les parcours d'agility aident les chiens à développer leur agilité et leur confiance, tandis que les labyrinthes de jouets encouragent les chats à utiliser leur instinct de chasse. Prendre le temps de jouer avec son animal est un investissement précieux pour son bonheur et son épanouissement. Ces moments de jeu renforcent le lien entre l'animal et son propriétaire, créant des souvenirs inoubliables et une relation de confiance mutuelle. Alors, n'hésitez plus, laissez libre cours à votre imagination et partagez des moments de joie et de complicité avec votre compagnon à quatre pattes. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, chaque instant de jeu est une opportunité de renforcer votre relation et de contribuer à la santé et au bonheur de votre animal.